Bah moi j'ai choisi mon truc, je crois. Je porte aucun homme. Ainsi tout le monde sait que qui je suis et me respecte. Je porte une Galéa. Je porte un Spangler. C'est la casque en fait. Je choisis le casque. Vas-y. Aucun homme. J'ai pas besoin de casque moi. Oh oui. Bah, après, oh c'est beau, attends, j'ai une paix cinématique là. Après je perds mes épaulières en plus, c'est de la merde. Attends, attends, j'ai une cinématique gros. Même si les difficultés s'amassent sur mon chemin, m'aide à elle surmonter. Ma grâce, ma dignité, ma férocité. Oh, attends, je vais chercher un peu la définition pour être sûr de ce que je vais prendre. Exilés et brisés, mais ne céderont pas. Grâce, dignité, férocité. Seule la crise. Ça se trouve, je vais pencher pour la férocité. Notre foi est forte, malgré le silence des six dieux. Avec courage, au promontoire divin, nous ferons face ensemble. Cette ville est mon foyer. Je viens d'un milieu ordinaire, de la classe moyenne. Mes amis et moi ne cherchons là, c'était quoi ni la gloire. Grâce. Nous cherchons juste à survivre. Mais je pense que nous pouvons encore bâtir un monde. Oh, ça, c'est grâce, c'est plus pour les croyants. Aujourd'hui, je suis sorti du promontoire divin pour voir le monde. La dignité, c'est plus ce statut, le respect. Quand je suis arrivé à chez moi, le village était assiégé par les centaures. Des villageois innocents sont en danger. J'ai envie de pencher pour la férocité. Nous ne pouvons pas continuer la dignité, à oh putain. J'hésite entre dignité et férocité. Ah, mais il y a des trucs en dessous écrits. Ceci est mon histoire. Ceci est mon histoire. Voici mon histoire. Non, j'ai fait la cinématique du début. Ça va. Je suis gracieux, personne ne peut me résister quand je suis au meilleur de ma forme. Je sais exactement quoi dire pour égayer une journée ou démoraliser un ennemi. Avec son truc. Alors, comment ça se passe Je reste digne en toutes circonstances. C'est pour cela que les gens me respectent. Un comportement sérieux et délicat est la clé d'un succès. Je suis féroce, c'est la violence qui me fait vibrer. Cela me vient naturellement, mais j'essaie de mettre ma capacité d'intimidation au service du bien. Je sais pas quoi prendre. Je pense que je vais prendre la dignité parce que j'aime bien l'icône. La grâce, c'est pas mon truc. Les graphismes, ils sont un peu vieux, mais c'est normal. Ouais, c'est normal. Féroce. Attends, je vais revenir sur la couleur de ma tenue, de mon armure. Vite fait. Sergent, les centaures affluent de l'autre côté de la ville. Le capitaine Tacré demande des renforts à la garnison. S'il appelle à l'aide, c'est que c'est grave, mais je n'ai personne à lui envoyer. J'y vais. Le capitaine Tacré a toujours servi le promontoire divin. Si je peux l'aider, je le ferai. Puisse Balthazar vous bénir. Une telle attitude nous aidera à gagner cette guerre. Bonne chance. Bon bah vas-y, on va essayer de... Oula. Moi non, je sais comme ça. Ça c'est bon. Alors ça... Je suis chaud, je suis défoncé. Et viens là. Voilà. Bon, dignité, je prends. Vas-y, moi je suis déjà en jeu alors que... J'ai été élevé par des gens ordinaires. Pareil. Au sein de la noblesse. Ou dans la rue. Ordinaire, j'ai fait.
sein de la doublesse, ça fait trop. Attends, bah en plus, description, je suis con. Yeah. J'ai grandi dans la pauvreté, dans la rue, à mendier. Chaque jour était un défi à relever. Mais comme je l'ai toujours dit à mon vieux copain Keen, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. J'ai travaillé dur pour modifier le cours de mon destin, mais j'ai encore un long chemin à parcourir. J'ai été élevé par des roturiers du promontoire divin. C'est le corps de mec qui arrive, putain. Oh, un orphelin, moi je l'ai élevé. Allez. Je suis quelqu'un d'ordinaire, de normal. Nous faisons partie de la classe laborieuse et nous sommes les rouages qui permettent à la ville de fonctionner. J'ai des amis propriétaires d'une taverne, André et sa fille Petra. Petas. Petra quoi? Petra. Ah ouais, c'est ça, ouais. J'ai grandi parmi les nobles auprès de mon ami le seigneur Farem, dont la généalogie remonte au temps des anciens rois. Hein, ça m'intéresse. En vrai. Si ça parle de roi, j'ai bénéficié d'une excellente éducation, je manie parfaitement la flatterie d'usage à la cour et j'accepte la responsabilité qu'implique les privilèges. Et il est encore noble. Ok, ils ont tous buté. Ah, c'est un joueur, ça, je crois. Ouais, normal. Ils volent tout, d'accord. Oh merde! Alors. Ah, c'est long de monter des levels apparemment. Qu'est-ce que fait? Oh, tout ça pour avoir l'ISP quoi. Un de mes plus grands regrets est parents inconnus. Quand j'étais enfant, j'ai été abandonné dans un orphelinat. Un gentil couple m'a adopté et est devenu ma famille. Je m'interroge toujours sur mes parents biologiques. Ma sœur était une séraphine. Elle a été tuée par des centaures au cours d'une patrouille. Ils n'ont jamais retrouvé son corps et qui m'a toujours obsédé. Ce qui m'a toujours obsédé. Obsédé par le corps de sa sœur. Putain. Quand j'étais jeune, j'ai eu l'occasion de rentrer dans un cirque. Mais j'ai refusé. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir saisi cette chance. Non. Je regretterai pas moi. Enfin, après, c'est peut-être une chance dans cette époque de faire du cirque, mais bon. Ouais, ça va être. C'est pas ouf pour ton personnage de principal qui se bat. Sauf que c'est un guerrier que j'ai pris. Ah, voilà. C'est bon, mon guerrier il a fait du cirque. Ouais, cool. T'arrêtes de me voler tout, toi, putain. Ah, moi j'hésite entre les parents inconnus et la sœur du coup. T'as fait quoi? Parents inconnus. C'est bien ce que je me disais. Je sais pas pourquoi je me suis dit il a pris ça. Parce que c'est quelque chose qui est normal, quoi, qui peut arriver. Wow, c'est quoi son gros truc là? C'est un gros truc. Ceci, soldat, est une menace. Oh, ils sont chauds. J'aime pas la musique en fond chaque fois, c'est bizarre. Pourquoi? Je sais pas. Quand tu joues? Ouais. Bon, parce que moi je suis encore dans la personnalisation, je prends mon temps. Bah, j'ai mon premier boss. Là. Ah ouais. C'est le tutoriel en fait, c'est prologue. Ouais. Bon, ouais, je vois. Bah, il est puissant, hein. Ouf, c'est bon, non? Ah, il faut tuer les deux mains. Putain. Si tu connais pas tes parents biologiques, comment tu peux savoir qu'il y a que t'as une soeur? Bah ouais. Et t'es une séraphine. C'était une autre espèce, c'était genre une sœur de cœur peut-être.
Attends. Que s'est-il passé? Vous avez pris un mauvais coup quand l'élémentaire a explosé. Le capitaine Takré s'est chargé de vous amener ici. Vous avez dormi pendant 3 jours. Vous avez reçu beaucoup de visites. Des villageois que vous avez sauvés, des séraphins, et même un aubergiste accompagné de sa fille. Elle est venue tous les jours. Il doit s'agir de mes amis André et Petra. Il faudra que j'aille les voir quand j'aurai récupéré. Que dois-je faire maintenant? L'air frais et l'exercice sont des remèdes souverains. La déesse Dwaina vous est venue en aide. Vous pourriez peut-être aider les autres à votre tour. Bonne idée. Et merci d'avoir pris soin de moi. Ça fait gaffe, j'ai envoyé un truc en français à l'autre, là. Je suis con, moi. Oula. Oula. Bon, accepté. La question 9 sur 10, là, c'est par rapport à un dieu, on dirait. Hein. Ah, ouais, je sais. Ouais. Tout le monde raconte que j'ai été banni par dans ma jeunesse. C'est quoi ça? Ok. C'était clair. Ah, lui, là. Les champs autour de Seymour sont le garde-manger de la crypte. Depuis les attaques centaures, les citoyens tentent de reprendre une vie normale. Mais les bandits et les créatures sauvages ne leur font pas la tâche. Aidez-les. N'attendez pas d'invitation. Ok, bah ouais, on va faire ça. Pas de soucis. On peut pas trop courir, ça c'est super. Faut faire un petit Guild Wars 3 hein, parce que les graphismes commencent à vieillir. Hein. Ouais. Je crois que je vais prendre Defensor. Tu gagnes des trucs comme ça en mode. Ok. Regardez les graphismes vite fait, s'ils sont à fond. Ah ouais. Déesse de la guérison, dieu des ténèbres. Dieu rendu. Oula, voilà, voilà, dieu calme. Bon, c'est bon, le dieu de la guerre, du feu, déesse de la nature, dis ça. Plusieurs masques, déesse aux deux visages de la beauté. Cormyr est la déesse de l'ordre. Alors là, faut choisir. Alors. Les bandits, bah, sont les bandits, c'est eux, là. Ça, c'est un mec au pif. Elle a tous chef des dieux antiques. Elle est souvent représentée sous les traits d'une grande et fine jeune femme, c'est le vent. On a déjà essayé de manger. Soigner le maïs. Soigner le maïs, hein. Divertir les bétails. Ah, c'est le maïs. Ah ouais, bah là, ce qu'il faut faire, quoi. On devient paysan, quoi. Oh, tu vas kiffer, je crois. Bon, je suis pas à côté. Quoi? Quoi? Ah, béni, putain, je sais pas lire. Je suis fatigué. Je sais pas lire. C'est quoi ce truc là? Ça se bute, ça? Viens. Ouais, bah, apparemment, ça se butait. Du 9. Bon. C'est des fous. C'est par là, lui. Hein. Je n'avais pas vu que vous étiez là. Non, sérieux. Bienvenue. Je vous aiderai avec plaisir. Ok.
Tu galères avec ton perso? Bah, j'aime pas les dieux, donc faut mieux que j'en choisisse un. Bah, il faut dans la vie. Enfin, béni par un dieu. J'hésite entre Mélandrou, Balthazar et Cormyr. On va divertir encore? Non. Oh, je t'adore. Voilà. En toute logique, je dois prendre Balthazar parce que dans la phrase ils disent j'ai suivi un entraînement rigolo pour me montrer digne. Et ouais. Moi, ce qui me fait ma force, c'est la dignité, donc le respect, quoi. Enfin, je me fais respecter aussi. Mais... Difficile de prospérer de nos jours. Mélandrou, c'est. Elle sourit à ceux qui, comme moi, ont une affinité avec les animaux, franchement. C'est pas mal. Un petit loup, tu vas voir. Voilà. Bah voilà, c'est ça le truc. Ouais. Et Cormyr, c'est. Chaque jour, grâce à elle, j'ai le courage de rechercher la droiture de cœur, d'esprit et d'action. Moi, j'hésite. C'est quoi ces bêtes ici? On n'a pas un là? Monte. Ah, bah, c'est les mêmes. Ah, il y en a derrière même. Ça, c'est quoi ça? Petit. Je pense que je vais prendre quand même. Ouais, ouais, c'est bien. Ah bon? Ouais. Ouf. Droiture de cœur. C'est si t'es droit avec les animaux aussi. Hein, je veux dire, voilà quoi. T'es pas. T'es quelqu'un qui cherche l'ordre. Enfin, la déesse de l'ordre, de l'esprit et de la vérité, donc. Donc les animaux, je dois les aimer, je suis ouvert d'esprit, quoi. Je veux niquer des mecs, c'est pas... Je prends ça, ces créatures aussi ont été prises dans le piège, casser des œuvres de Drake, et tuer des Drake et des écailleux dans la rivière. C'est là-bas, ça, non, c'est pas un... Ah, c'est un Drake. Et ça, c'est quoi, ça? Respecter. C'est les pièges. Je comprends. Waouh! C'est un gros, ça, c'est ça? En tout juste. Tout juste quoi? J'ai mis un nom, c'est tout juste. Le premier coup. Ouais, ça fait genre 19 caractères tout pile avec un espace. Donc, ah, les élémentaires, c'est là-bas. Oh, le spam de... C'est parfait. Je pense pas que d'autres gens ont utilisé ce nom. C'est 100% sûr. Ça va, là. Bah, le jeu il est bien pour le moment. Moi je vais bientôt jouer. Mais plutôt, oh, t'es en mode ouais. Bah, tu rates quelque chose, hein. J'ai dû mettre les graphismes à fond parce que c'était trop vieux. Faut que je bosse le son par contre. Ouais. Je pense que ça c'est quand même beau. C'est pas ça le jeu. Hop, c'est bon, j'aime. Pas mal la récompense. Peut-être leur parle, je crois. Oh, c'est bien ça. Je pense que c'est cher. Je laisse pas tomber les pauvres. Les pauvres. Je suis. Ah, attends. T'es généreux. Oh.
C'est quoi ça? Oh, je suis concentré. Ouais. Je comprends pourquoi. Ton jeu, il a commencé comment? Les cinématiques, pourquoi? Ouais, mais je veux dire, après, c'est... T'as commencé où, je veux dire? C'est dans, passé quoi? Dans un village, le village, il t'a attaqué. Oh, Centaure? Ouais. Ouais, c'est pareil. À part que toi, tu recherches, tes parents, mais moi, je recherche le corps de ma soeur. Oh ouais, t'as pris ça. Ouais. Ça a recommencé comme sous les cœurs, avec frère et soeur. Non, mais voilà, quoi. J'aime bien sa voix. La musique, elle est moins dégueulasse qu'au début, ça va encore. Hein. C'est pas horrible. Donc, graphisme. Mets tout à fond, parce que sinon... Ouais. Oula. C'est pas des gros tueurs, mais ça, c'est... C'est quoi ça, en fait? Ça récompense. Oula. Oula. Faites parler aux mecs. Pour les encourager. Bienvenue. Ultra. Non. Ouais, c'est bien ultra. Élevé. Super échantillon. Hein? Je sais pas. Échantillon de rendu, mais super. De toute façon, c'est un petit jeu, c'est pas non plus un truc qui prend quoi. Ouais. Ultra. Élevé. Élevé. Très élevé. C'est un petit jeu, ça passe. Très élevé. Occlusion ambiante. Texture de personnage haute résolution. Synchronisation verticale, pourquoi pas. Bientôt, bientôt. Et puis je pense que c'est bon. J'ai tout mis à fond là. Ça j'ai fini. Ma quête, c'est prochaine, c'est là-bas. On peut... Oh, ok. C'est quoi ça? Non, c'est un machin. Vas-y, on continue tranquille là. Les centaures, je les nique. Comme toi, comme toi. Oh, vous avez tué ma soeur. Ah ouais. Pourquoi y'a ça d'activer chaque fois? Ça c'est quoi ça? Ah non, ça parle même, putain, chaque fois je sais quoi, mais... Faut parler au mec en vert là. Ouais. Au-dessus de lui. Ça. Ok, j'allais à l'auberge, mais moi je tue des centaures. Ouais. Y'a encore un truc là, non? Je saute. Chaque niveau faut y aller, putain. Allez, go. C'est violent, mon perso, mais bon. Ah, moi aussi. Hein. Il met des gros coups d'épée alors que c'est pas une grosse épée, quoi. C'est un joueur, ça? Un point de passage. Il fait des roulades. C'est sûrement un joueur, ouais. Ouais, on dirait. Vu comment il s'est retourné. Ouais, je pense. Ah! Ouais, c'est trop super. Deux. Il y a des voix. Quand ouais. Il parle, il y a des voix. Forcément, ouais, bah, c'est lui. Ouais. C'est quoi ça? Pourquoi ils ont voulu comme ça là? Je vois. Putain, j'ai vraiment une... Genre, j'ai un œil un peu maléfique là, mais... et je suis un peu blanc quand même. C'est pas. C'est fait exprès. C'est pour montrer que je me donne un fond pour les pauvres. En tant que noble. C'est bon, c'est bon. On peut sprinter ou quoi? Non, je pense pas. Mais c'est pas le piège, je crois. Arrêtez-vous de prendre le piège, bordel. Il n'y a personne. Je traverse un pont vide. Ouh, j'ai pas trouvé. Okay, tu m'attends pas du coup. Bah je voudrais bien t'attendre, mais t'es où? Bah moi je suis... J'avance en fait. Bah moi j'ai déjà fait le premier boss. Hein. Bah je l'ai pas encore fait. Ah merde. Ouais. Faut faire quoi? Défendre et défendre la garnison. Yes. Mais il est cool.
pense que c'est pas un jour. Ah, j'ai un truc de guérison, j'entends. Vous vous soignez et dissipez des altérations. Ça, c'est cool. Oui, y'a rien à faire. Bon, y'a rien. Cette compétence est unique en fonction du mode de jeu. Unique. Oh, nickel. Je sais que je suis unique, mais à ce point-là. Je vais aller à un village, j'entends, non, comme ça, ça va m'occuper. Ah bah elle, elle a pris un flingue, c'est une meuf qui a pris un flingue, par contre ça coupe de cheveux, c'est une coupe afro. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est une grosse boule, une grosse touffe. Bah, bah chacun ses délires. Bon. On revient ici. Grand sage, mon cul, ouais, t'as tué ma soeur. Aider à défendre la garnison, j'ai pas fini. Non, ça prend du temps. Ah c'est bon. Oh putain. Deux. Parce qu'il y a six dieux, c'est pour ça que tu dis parle ici. Putain, j'adore la voix du mec là au début. Une voix un peu spartiate, un genre, peu. Genre, j'ai mon inventaire plein direct quoi. Comment on fait l'inventaire déjà? Putain, comme... j'adore. C'est innant. Je fais quoi, faut. Vas-y, je monte sur sa main, j'arrive les gars. J'arrive. Main géante là. Détruire. Ça veut faire quoi ça, ITP? Oh! J'ai pas peur! Oh! Oh putain, il m'a repoussé! Tu ouvres dans le mur au prof. What? Tu ouvres dans le mur, tu profanes. Ouais, c'est quoi? Allez, attaque! Mis des fourrures. Oh. Ouais, okay. Double cliquer. Hein. Avec moi, Alpacapella. Alpacapella. Ça s'appelle comme ça. Son pseudo. Putain, j'ai défoncé la main. Mais sa voix, ça me fait penser à un film. La couleur des titans, c'est le mec qui fait la voix là. Ouais. Ouais, je te jure, c'est la voix de la VF. C'est presque le même mec, c'est exactement ça. J'adore. Moi, quand il y a une voix comme ça, j'adore. c'est la voix dans Assassin's Creed Odyssey quand tu prends Alexios. Je sais pas, j'ai pas encore joué au jeu là. Non, mais je te jure. Ouais. J'arrive pas à équiper. Ton boss, c'était deux mains géantes. Yes. Bah c'est ça, je viens de le faire. Ouais, là je suis équipé là, enfin. Je sais pas ce que c'est. Bon, donc on toi. Attends, fuck. Je suis pas croyant. Non plus alors. Arrêtez de dire que voilà quoi. Putain, je suis petit par rapport à lui. Attends, faut que je me compare à des gens là. C'est normal qu'il y ait des grandes personnes. Ouais, je crois. T'as trop de trucs. Hein. C'est quoi qu'il faut faire là? C'est des humains? Bah, je suis pas trop bien voté donc. Putain, je suis petit! Ouais, mais ça me dégoûte un peu. Utiliser. À moi! Rien qu'à moi! C'est pas top aussi. J'aime mieux comme par hasard. Non, mais je garde les. T'inquiète. Putain, oh, okay, c'est bon. Ça c'est bien. Niveau 5, ouais, c'est bien. Mais du stuff légendaire, limite déjà. Ah ouais, j'ai de la place. Ok. Appuyez sur virgule. Comment ça, c'est dommage, je vais pas m'équiper pas. Bon, pour que vous saviez jouer, appuyez sur A pour... Et toi, t'es parti où?
Je suis après avec les villages, sauver des villages et tout. Putain, je suis vachement petit, j'ai. Ça me plaît pas. Putain, je sais pas comment faire pour l'utiliser, il veut pas ce bâtard. Ouais, ça me perturbe, t'es une humaine. Ouais. T'es où? Pourquoi? Parce que ça me perturbe la taille que j'ai. Ah bon? Oh, ouais, j'en fais. Ça me perturbe à mort. J'ai mon petit dragon. C'est plus grand que moi aussi. C'est un villageois. C'est un humain. D'où tu fais cette taille? Moi je suis une voleuse après, donc je sais pas si ma taille est plus petite, je pense. Attends, ouais, il faut que je te trouve. Sur la map, t'es où? Tu me dis là où? Ah, je dis où je suis? Ouais. Ok, attends. Alors, la map. Non, je vais pas me téléporter, arrête tes conneries. Je suis là où il y a plein d'arbres, je sais pas comment te dire. Y a pas un nom à proximité? Je sais pas qu'on fait pour agrandir la map, on fait comment pour agrandir la map? Appuie sur la map et t'as un truc sur la droite. Carte du monde? Ouais. Ah, nickel. Tu vois les champs de Shaimor? Ouais. Et à gauche, y a plein d'arbres. Ouais, en haut à gauche. De Shaimor, du coup. En haut à gauche, y a plein d'arbres, tu vois pas la forêt là? Ah, tu vas là. Tu vois la maison, Pierre. La maison, bah, dans le champ, tu me verras. Je suis dans le champ, perso, avec les armes. Ça me perturbe trop. À ce moment-là? Ouais. Une pomme rouge brillante. Par là. Parce que si je suis vraiment vachement petit, je suis désolé, mais... Non, mais moi, je suis petit, t'inquiète. Hein. Je crois que je vais refaire mon perso, c'est pas possible. Non mais non, arrêtez quand même. Ça me perturbe trop. Oh. J'avais pas fait attention. Bah c'est par là. Bah voilà. Je suis en plein milieu. Je t'attends, j'ai déjà un beau équipement, je suis pas mal. C'est pas possible. Non mais il y a un mec avec une monture, au calme. Attends, faut que je regarde la map là. Ah c'est bon. Oh bah je peux me déplacer avec la map. Hein. Bah c'est ta déchine, ouais. Du coup je vais tout droit. Vas-y, je t'attends en plein milieu. Non mais je peux regarder la carte du monde et déplacer mon curseur. Je sais. Me déplacer comme ça. Je sais. Je t'attends, Billy. Je te vois, je crois. Verger. Ça, je vais faire ça après. J'ai un dragon avec moi. Oh. Ça va? Bah, on a la même taille, tu vois, je suis un peu plus petit. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Et tout le monde est plus grand que nous? Bah ouais. Quasiment, je crois. C'est chelou. Bah, viens voir. Viens. C'est des humains? Bah attends, y'a un humain normalement ici, on va voir. J'ai pris la taille normale pour mon perso. On va voir. Ah putain gros. Wesh. Je sais pas si c'est un humain mais... C'est un humain je te... C'est un humain ça? Bah je crois. Je sais pas, il est quand même grand, mais après je sais pas. Moi je trouve que j'ai une taille normale après. Et toi alors regarde, elle est plus grande que moi. C'est vrai, elle est plus grande que toi, c'est vrai. J'arrive au niveau de ses seins. Quoi? Non, je suis désolé, je vais le refaire, c'est pas grave. Non, arrête tes conneries là. Ah non, mais je peux pas. Oula, c'est que j'ai. Ah, j'ai pas cette pomme là. Putain, il fait chier. Mais ferme ta gueule, dire comment on va récupérer des pommes là. C'est pas possible. ne rage pas. C'est qu'une taille, tu sais. Après, une meuf petite, ça passe mieux qu'un mec petit, mais... Je vais le refaire. Non, mais t'es aussi trop tard. C'est bon. Putain. Tout ça pour une taille. Je suis trop rapide. Au final, je vais finir le jeu sans vie, ça continue. C'est pas grave.
Je te rattraperai au pire. Non, mais t'es là, bon. Là, j'ai plein de pommes, si tu me dis que j'en ai passé. Oh non, encore une araignée. Ouais, je vais lui donner, je pense que. Ah, bah, elle va pas suivre. Putain. Là, elle a encore un. Je la trouve toujours un. Ah, d'accord. Une maison de passage. Pourquoi c'est quoi? Qu'est-ce que t'as trouvé? Bah, qu'il y avait une limite pour la taille en fait, on peut pas faire plus petit. Ah, ça veut dire plus petit. Et qu'il fallait que je prenne au centre au lieu de faire au plus petit en fait. C'est pour ça que je suis petit. Ouais, c'est parce qu'on a pris le plus petit en fait, possible. Putain, fallait comprendre ça. Quoi? Il nous en faut encore. Comment voulez-vous récupérer des pommes autrement? Non, mais faut attendre, j'attends 15 secondes pour la préparer, c'est ça? J'ai plus rien à faire normalement. C'est qu'ils ont 10 secondes de préparation de la tarte. On va voir, attendre un peu. Je laisse ça comme ça, c'est bon. Là, hop, zéro. Comme ça, je suis sûr. Même pas eu besoin de rentrer. Yes. Nickel.